Dans le cadre d'une étude régionale, la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence a noué un partenariat avec la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon qui souhaitait valoriser ses déchets verts en circuit court en s'appuyant pour cela sur les agriculteurs du territoire. Donc, suite à une étude technique de la Chambre d'agriculture visant à proposer plusieurs solutions à la collectivité pour valoriser ses déchets verts, la collectivité a décidé de mettre à disposition du broyat sur les déchetteries pour les agriculteurs pour qu'ils puissent le récupérer et le composter en bout de champ, soit pur, soit mélangé à du fumier. La communauté de communes Alpes-Provence-Verdon est une grande communauté de communes de par sa taille. Hein. C'est 41 communes. Le sujet des déchets est un sujet important, et des déchets verts notamment. Et il fallait effectivement trouver des solutions pour inciter les administrés, les habitants de ce territoire à ne pas brûler ces déchets verts dont on connaît les conséquences environnementales et valoriser effectivement ces déchets verts sur le territoire et le plus près possible en circuit court. Et à partir de là, donc, ça a été la décision de passer un marché pour faire du broyat dans les différentes déchetteries de notre territoire. Et le retour des agriculteurs est un retour positif. 2018, c'était environ un peu plus de 40 000 euros de coûts pour ces déchets verts. Aujourd'hui, on a diminué de 40%. Quand on a lancé l'expérimentation en 2018, on gérait environ 1000 tonnes de déchets verts sur les sites des déchetteries de la CCAPV. Aujourd'hui, on en gère 2000. Et alors que dans le même temps, on a doublé les tonnages traités, on a réussi à maintenir les coûts, c'est-à-dire que l'économie générée avec cette valorisation agricole des déchets verts permet de compenser l'augmentation des tonnages. Donc sur ce volet-là, le bilan est très positif et l'objectif est atteint. Par contre, on considère que rien n'est acquis dans la mesure où le partenariat avec les agriculteurs ne peut fonctionner que si on fournit un broyat de grande qualité. Et donc la qualité du broyat repose sur deux critères essentiels. C'est l'absence d'indésirables, que ce soit des déchets plastiques, des pierres, des métaux, des ferrailles. Donc sur ce point-là, on attire l'attention de nos gardiens de déchetterie. On leur demande d'être extrêmement vigilants dans les apports que font les usagers des déchetteries et dans le tri qu'ils peuvent réaliser derrière, le surtri. Et le deuxième critère de qualité du broyat, ça va être la granulométrie. Et pour ça, on a récemment changé de prestataire dans le cadre du renouvellement du marché de broyage. Et on a un prestataire qui aujourd'hui nous propose une granulométrie de 50 mm. Plus la taille du broyat va être réduite, plus le co-compostage en bord de champ que les agriculteurs vont pouvoir faire sera rapide et sera de meilleure qualité. Donc aujourd'hui ça fonctionne, avec le nouveau prestataire on voit derrière moi qu'on a un broyat de qualité, mais pour autant il faut qu'on maintienne notre vigilance et il faut aussi que les usagers des déchetteries jouent le jeu et comprennent bien que derrière il y a une vraie valorisation locale en circuit court et qu'ils ont une part de responsabilité. Alors le rôle de la communauté de communes a été certes moteur, mais en partenariat avec la Chambre d'agriculture, parce que le lien avec les agriculteurs, le travail qui a été fait en amont, et notamment sur l'épandage, sur les études, les analyses qui ont été faites, c'est important que la Chambre soit là, et c'est un vrai partenaire, et je crois qu'on ne saurait pas faire sans la Chambre d'agriculture.